Saint-Esprit, nous acclamons ton ministère. C'est toi que nous honorons. Merci de nous avoir portés. Merci de nous avoir conduits. Merci de nous avoir transportés sur le chemin de ta volonté, sur les sentiers de ta volonté. Merci de nous avoir assistés. Ô Saint Saint, ô Saint Saint, tu as vivifié nos corps, tu as fortifié notre esprit. Ô cher Saint-Esprit, Saint-Esprit, tu as intercédé pour nous par des soupirs inexprimables. Nous te célébrons. Tu es l'Esprit de Jésus. Tu es celui qui a dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour la mission à laquelle je les ai appelés. Tu es celui qui représente le Père et le Fils sur la terre. Tu es celui qui bâtit l'Église et qui la propulse. Tu es celui qui marche devant l'Église. Tu es celui qui entoure l'Église. Le commandant en chef des opérations célestes. En rapport avec la terre. Oh magnifique. Oh glorieux. Excellent Saint-Esprit, tout puissant Saint-Esprit, merveilleux Saint-Esprit, magnifique Saint-Esprit, j'ai dit magnifique Saint-Esprit, oh magnifique Saint-Esprit, oh magnifique. Conduis-nous. Il nous reste deux soirées en ta présence. Seigneur, dirige-nous sur les rails de ta volonté, sur les sentiers de ta volonté. Saint-Esprit, 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 excellent, admirable, majestueux. Saint-Esprit, 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 Saint-Es
Levons la voix, demandons au Saint-Esprit de nous conduire. Demandons au Saint-Esprit de nous porter. Demandons à celui qui a commandé la mission apostolique de Paul, de Silas et Barnabas, et le Tite et le Timothée de nous conduire encore ce soir. Demandons à celui qui a fait la différence à travers Jésus, de faire la différence à travers nous. Je lui remercie de nous avoir accompagnés. Merci de nous avoir assistés. Merci de nous avoir portés. Merci pour les témoignages qui ont commencé déjà. Nous devons commencer déjà à recevoir. Merci de ce que ce n'est pas fini. Merci de ce que tu as toujours été là. Tu as soutenu le corps de vos grâces. Tu as vivifié nos corps. Tu as fortifié, Seigneur, notre esprit. Notre homme intérieur. Père, nous te disons merci. Seigneur Jésus, nous te disons merci. Parce que le Père et le Fils ont été là et sont là par le Saint-Esprit. Ta force nous a fortifiés. Ta grâce nous a portés. Ta main nous a soutenus. Ta droite nous a protégés. Ta droite nous a accompagnés. Ta droite nous a recouverts. Sokaya de re 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 ra ma re 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 rosso. Sheya ni re 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 do. Sheya ni re 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 kora ma. Ale re re rosso i re re ra. So de re ma kaya re 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 rosso de re ra. 21 jours de force, 21 jours de combat. 21 jours d'adversité, de lutte contre la chair. Merci de ce que tu étais avec nous. 21 jours, waouh, c'est toi qui l'as fait. C'est toi qui nous as menés à semer, à continuer de semer des semences qui ne s'arrêteront pas pendant ces 21 jours, qui porteront du fruit tout au long du semestre premier de 2018. Parce que tu as dit, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Nous avons semé la prière, nous moissonnerons la force. Nous avons semé la prière, nous moissonnerons la compassion divine. Nous avons semé la prière, nous moissonnerons la miséricorde de Dieu. Nous avons semé la prière, nous moissonnerons la main étendue du Seigneur. Nous avons semé la prière, nous moissonnerons l'exaucement. Nous avons semé la prière, nous moissonnerons la manifestation divine. À Dieu qui n'est pas injuste pour oublier le service des saints, le travail investi au service des saints. Cette semence ne s'arrêtera pas là. La visitation commence là, mais ne s'arrêtera pas là. Nous moissonnerons en faveur, nous moissonnerons en compassion, nous moissonnerons en bonté, nous moissonnerons en amour déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit.
nous récolterons en force, nous récolterons en autorité, nous récolterons en audace, nous récolterons en courage, nous récolterons en capacité de prier sans cesse, nous récolterons en capacité de veiller, de monter la garde. Disons merci pour toutes les paroles. Toutes les paroles qui ont été libérées, chaque parole prophétique, chaque parole inspirée du Saint-Esprit, disons-lui merci, disons-lui que nous croyons qu'aucune de ces paroles ne restera sans effet. Dis-lui, je crois que tout ce que tu as dit s'accomplira dans ma vie. Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi, afin de ne plus douter par incrédulité au sujet de la parole, au sujet de la promesse. Every word, we thank you for every word. We thank you for every word released. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Merci, merci pour toutes les paroles dont tu nous as nourris. Tu as nourri notre âme, tu as nourri notre homme intérieur, tu as restauré nos âmes, tu as nourri notre esprit, tu as augmenté sa taille, tu as nourri notre foi, tu as nourri notre espérance, tu as nourri notre audace, tu as nourri notre courage, tu as nourri notre zèle, tu as nourri notre persévérance, tu nous as donné de nouvelles raisons de ne pas céder, de ne pas lâcher, de tenir ferme et d'imiter ceux qui par la foi et par la persévérance héritent des promesses. Sur les rails de ta volonté, Saint-Esprit, sur les rails de ta volonté, conduis-nous sur les rails de ta volonté. Dirige-nous, nous te prions, sur les rails de ta volonté. Mets nos vies en orbite sur les rails de ta volonté. Aligne nos destinées sur les rails de ta volonté. Aligne, Seigneur, nos cœurs sur les rails de ta volonté. Conduis nos choix et nos voies sur les rails de ta volonté. Positionne nos vies sur les rails de ta volonté. Positionne nos sentiers sur les rails de ta volonté. Commande notre trajectoire sur les rails de ta volonté. Dirige chacun de nos choix sur les rails de ta volonté. Aligne toutes nos pensées sur les rails de ta volonté. Positionne, Père, nos âmes sur les rails de ta volonté. Pour l'année qui vient, établis-nous sur les rails de ta volonté. Chaque jour, aligne-nous, tendre Père, sur les rails de ta volonté.
Ne nous laisse pas être sur d'autres voies que tes voies. Positionne-nous sur tes sentiers. Ne nous laisse pas aller perdre ailleurs que. Ne nous laisse pas rouler, marcher sur d'autres voies. Ce soir, conduis-nous, tendre paix. Aujourd'hui et demain, dirige nos pas. Chaque pensée, chaque parole, conduis-nous. Chaque pensée, chaque parole, conduis-nous. Chaque allée des bas, affine et dirige nos sentiers. Chekalale le kabale le 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 la mané le 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 le. Positionne nos destinées au Père sur les rails de ta volonté. Désormais nos vies sont positionnées sur les rails de ta volonté. Nous n'irons ni à gauche ni à droite en dehors de tes voies, tendre Père. Notre force ne nous contrôlera. Nous irons, Père, sur les rails de ta volonté. Nous marcherons et nous agirons, tendre Père, sur les rails de ta volonté. Nous ne nous éloignerons plus de tes voies, non, 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 non. Sur les rails de ta volonté. Nous sommes sincères, nous sommes désireux de marcher. Sur les rails de ta volonté. Désormais ta main sera étendue pour nous conduire. Sur les rails de ta volonté. Comme tu l'as fait avec Israël quand tu les as sortis d'Égypte. Sur les rails de ta volonté. Comme tu les as conduits comme un feu, comme tu les as conduits comme une nuée, tu nous conduiras. Sur les rails de ta volonté. Plus jamais nous ne chancellerons à gauche ni à droite, mais nous périrons. Sur les rails de ta nous serons portés, nous serons transportés. Sur les rails de ta volonté. Nous serons soulevés, nous déplacerons comme des aigles sur les rails de ta volonté. Nous ne prendrons pas d'autres sentiers désormais à cause de ta grâce. Sur les rails de ta volonté. Un seul chemin désormais, Père, nous suivrons. Et aucune autre volonté ne s'accomplira, mais dans nos vies. La volonté des méchants, la volonté des démons, la volonté des esprits séducteurs, la volonté des dragons, la volonté des serpents, la volonté du calomniateur, la volonté de l'accusateur, tout ça pour nous faire échouer. Échouons à jamais lamentablement quand Dieu nous conduit. Tu nous diriges, tu prends soin de nous et tu nous fais cheminer uniquement, Père juste. Nous et tout ce que tu nous as confié, Père, nous marcherons. Shama les bébés kalanama, ce soir, Seigneur, conduis-nous. Ne laisse pas la chair nous influencer. Ne laisse pas les émotions être contrôlées par la chair, non. Seigneur, dirige-nous. Chaque pensée, chaque parole, chaque mélodie, chaque son, chaque instrument, que tout coordonne, que tout soit conduit, que tout soit synchronisé, harmonisé et commandé sur. Aïe les kababa, les baba, les maillets. Désormais, Seigneur, assieds, établis nos vies. Affermis-nous, enracine-nous, bâtis-nous et fortifie-nous.
avons essayé hors de ta volonté, nous nous sommes plantés. Désormais, tendre paix, sécurise-nous, consolide-nous. Désormais, enracine-nous. C'est les babayes, les chacun là-bas, établis ma vie, assieds ma vie, positionne ma vie. Mets désormais ma vie sur orbite, sur les rails, uniquement. Hier, il m'arrivait de chanceler, hier, il m'arrivait de tomber, hier, il m'arrivait de suivre d'autres voies. Il m'arrivait de me laisser contrôler par l'offense, contrôler par l'amertume, contrôler par la jalousie. Désormais, un seul sentier, une seule voie, je suivrai. Sur une seule voie, sur un seul sentier, nous marcherons. Position d'un vaccin chrétien, ton église, désormais. Chaque choix, chaque décision, chaque inspiration, chaque structure, chaque organisation, chaque serment, chaque atmosphère, chaque réunion, chaque activité, positionne toutes choses. C'est mes larmes, les mailles, nous ne voulons pas d'autre voix que tes voix, uniquement conduis-nous sur les rails de ta volonté. Place ma vie, place nos vies, affermis-nous uniquement. Consolide-nous, bâtis-nous, assieds-nous, fortifie-nous uniquement. Sois le seul maître, le seul commandant en chef, affermis-nous uniquement. Ne nous laisse pas suivre d'autres voies, ne nous laisse pas suivre d'autres sentiers, uniquement. Consolide nos vies. Ne laisse plus un seul hôtel parler. Ne laisse plus un seul démon, un seul esprit nous accompagner. Non. Toi seul seras suivi. Toi seul nous conduiras. Seigneur, toi seul nous assisteras. Et qu'elle a travaillé les mailles, tu vas élever la voix et dire que désormais ta vie est bâtie sur le roc. Ta vie est fondée sur le roc, sur les rails de sa volonté. Tu vas élever la voix, tu vas dire au Seigneur à partir d'aujourd'hui, ton pied est mon pied, là où tu vas, je vais, là où tu vas, je vais. Quand tu dis à gauche, je tourne à gauche, à partir d'aujourd'hui, plus personne ne contrôlera ma vie. Non. Ni la chair, ni le monde, ni les démons, ni Satan, le calomniateur, quel que soit ses noms. Je veux que tu élèves la voix et que tu dises, mais désormais, que ta vie sera conduite. Mon ministère, mon église sera conduite. Les choix d'un vaccin chrétien, le mouvement d'un vaccin chrétien se fera sur les rails. La dynamique d'expansion de ton église se fera uniquement. 2018 nous verra prendre notre vol uniquement. Ta vie prendra un essor sans précédent uniquement. Ma famille, mon foyer, tout ce qui me concerne et qui appartient à ma destinée sera bâti, sera consolidé. Proclame que ta vie est consolidée et bâtie et assise. Affermie, enracinée, uniquement en paix sur les rails. Chez la baba ya la rela, mandolo robo c'était les babaye. Chez les rabis, les robos c'était.
notre voix, ta main me soutiendra, ta droite me gardera. Ce soir, je te prie pour 2018, unique comme en 2018. J'élimine les erreurs, j'élimine les mauvais jugements de 2018. Je les bannis de ma vie, bannis de ta vie, bannis de ta vie les mauvais choix, bannis de ta vie les mauvaises fréquentations. Élimine de ta vie, tu dois envoyer la parole, la parole, la parole. Et déclare que uniquement que ce qui est ta volonté seule se positionne dans ma vie. Uniquement mes relations, mes choix, mes décisions, mes sentiments, mes émotions, mes pensées se feront et se feront uniquement, conformément, uniquement. J'ai les la baba y'a les rosa. J'ai que les maros. Ayama tu me conduiras en 2018 uniquement. Voilà pourquoi je te disais que ce programme, cette rencontre, ne travaillera pas seulement pour ces 21 jours. Cette rencontre, cette convocation est une semence puissante qui te portera au moins tout le premier semestre de cette année qui vient. À partir de maintenant jusqu'à la fin du premier semestre, en attendant la prochaine convocation, tu peux être certain que les erreurs sont éloignées de toi, les fautes sont bannies de toi, toute la folie te quitte, la folie ne t'accompagnera pas, parce que tu marcheras uniquement. Ce n'est pas par ma force, ce n'est pas par mon intelligence, c'est par l'assistance du Saint-Esprit, je marcherai, je choisirai uniquement. Nous marcherons, nous prospérerons uniquement. Parce que nous marcherons, nous cheminerons, nous serons escortés. Nous serons portés, transportés, assistés uniquement. Che bebe kala dere dama, che bebe kete dere damaro. Shala iba dere damaro, sole dama yere. Le rai de tavo. Che bebe yala dere dama. Ayala dere mosa. Tu pries à partir de maintenant, tu élimines des mauvais choix, parce que tu supplies, nous supplions, tu nous conduiras uniquement sur les rails de ta volonté. Ça veut dire que les projets que le diable avait, parce qu'il n'a pas réussi à me retirer, à me dévorer en 2017. Parce que ma présence ici signifie qu'il a échoué. Ma présence à cette convocation signifie que l'armada de démons, la panoplie des démons de l'enfer, envoyés pour m'égorger, me dérober, me détruire, me dévorer, m'éliminer, m'assassiner, ont tous échoué. Jésus-Christ a triomphé. Oh, alors tu annonces pour maintenant et dans la suite, tu annonces que la main du Seigneur sera sur toi. Parce que c'est ce que nous demandons. Que nos vies soient positionnées uniquement sur les rails de ta volonté. Que toute force ruse, contraire, qui essaie de nous faire dévier de notre destinée, dévier de notre trajectoire,
Défier des desseins de Dieu pour nos vies. Défier des projets de paix et non de malheur. Défier de la persévérance. Défier de la patience. Défier du caractère de l'amour pour nous amener vers la vertu. Que tout ce qui voulait m'emmener à dévier échoue lamentablement. Élève la voix. Proclame-le. Élève la voix. Que tout ce qui voulait m'emmener échoue lamentablement. Tu dois proclamer, tu dois parler, tu dois prophétiser. Dis au Seigneur, je te recommande ma vie sur les rails de ta volonté. Conduis-moi. J'ai la volonté, mais je n'ai pas la capacité. Conduis-moi sur les rails de ta volonté. Que toute force, tout esprit d'impudicité qui voulait me faire dérailler, tout esprit de colère qui voulait me faire dérailler, tout esprit d'infirmité qui voulait me faire dérailler dans la santé, me rendre malade toute l'année, une partie de l'année, je déclare que tout ce qui est envoyé par l'enfer, que l'enfer, de la même manière que les hommes ont déjà fait leur provision. L'esprit de Dieu est en train de dire que ce que les hommes font, tout ce que tu vois sur le plan naturel n'est qu'un reflet des réalités spirituelles. Sur le plan naturel, les entreprises, les dirigeants ont déjà des objectifs et des agendas pour toute l'année prochaine. Et il me dit, ce que tu vois sur le plan naturel n'est que le reflet de ce qu'il y a déjà dans le monde spirituel. Le diable a déjà un agenda pour chaque jour, chaque mois de 2018. Il a des projets de destruction. Mais la bonne nouvelle, c'est que moi aussi j'ai des projets de paix que j'ai formés sur ta vie. Projets de paix et non de malheur pour te donner un avenir et de l'espérance. Mais lui, il a des agendas d'accident, des agendas de mort prématurée, des agendas d'égorgement. Il a un agenda. Mais nous allons déclarer que nous allons marcher uniquement sur les rails de sa volonté. Alors tu vas parler, nous allons parler à tout agenda satanique, à tout programme, tout projet préparé contre nous, contre nos vies, contre nos familles, nos foyers, contre l'église, contre un personne chrétien. Tous les agendas, waouh, nous allons les éliminer par le feu au nom de Jésus. Tout ce qui a été écrit dans le monde spirituel contre sur l'année 2018, les paroles de malheur, les incantations, les sortilèges, les sorts, les envoûtements, par le sang de Jésus, nous les effaçons. Nous effaçons tous les actes dans les ordonnances, nous condamnés et qui subsistaient contre nous. Nous effaçons toutes les paroles, nous annulons toutes les sentences, nous annulons les décrets de mort, les décrets d'égorgement, les décrets de confusion, d'impudicité, tous les démons envoyés sur notre parcours, sur notre chemin de pauvreté, d'échec, d'infirmité, de mort prématurée, de mauvais choix, de confusion, d'embarras, de mauvais mariage. Au nom de Jésus de Nazareth, nous annulons les agendas sataniques par le sang de Jésus-Christ. C'est la maraya. C'est que les rébabas. On les rébabaya. Annule les paroles, annule les agendas, annule les objectifs. Les démons se sont vus confier. Toi, ta mission, c'est la publicité.
tu ne feras tomber de la publicité. Toi, c'est la colère. Toi, c'est l'amertume. Toi, c'est l'échec. Toi, c'est la gloutonnerie. Toi, c'est l'anorexie. Vous avez compris? Chacun a son but. Mais nous déclarons et décrétons. Toi, c'est la stérilité. Toi, c'est la maladie. Toi, c'est l'AVC. Toi, c'est le cancer. Toi, c'est le diabète. Est-ce que vous avez compris, démons? Ils disent oui, nous avons compris. Et nous venons contre vous dans le nom de Jésus. Tout ce que vous avez préparé, nous la réduisons à néant. Au nom de Jésus, nous effaçons tous vos actes, tous vos écrits. Nous révoquons toutes vos paroles, vos projets. Nous les réduisons à néant. Chez les Kalamalaya. Les projets contre nos enfants, les projets de séduction, les projets de déviation, les projets de déraillement, préparés contre l'église, préparés contre nos familles, préparés contre nos foyers, les projets de déraillement, déraillement de la santé, déraillement du travail, déraillement, déraillement professionnel, déraillement de nos entreprises, nous les annulons. C'est par la prière qu'on fait ou qu'on défait les choses. C'est par la prière qu'on attache ou qu'on dénoue les choses. C'est par la prière qu'on lit ou qu'on délie, qu'on ferme ou qu'on ouvre, qu'on bloque ou qu'on autorise. C'est par la prière. Les rails de ta volonté. Sur les rails de ta volonté. Enracine. Sur les rails de ta volonté. Fais-nous nous reposer. Accorde-nous de marcher dès maintenant et dans la suite. Accorde-nous d'être affermis. Accorde-nous de prendre appui. Accorde-nous d'être fortifiés sous les rails de ta volonté. Accorde-nous d'être conduits par toi sous les rails de ta volonté. Accorde-nous d'être éclairés sous les rails de ta volonté. Tu as dit dans ta parole, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi. Accorde-nous de cheminer sous les rails de ta volonté. Garde-nous de toute voix qui n'est pas ta voix, de tout sentier qui n'est pas ton sentier, de tout choix qui n'est pas ton choix, de toute relation qui n'est pas ta relation que tu as approuvée, de tout cœur qui n'est pas ton cœur. Nous t'implorons, positionne-nous sur les rails. Enracine-nous sur les rails, Père.
Nous avons commis des erreurs en 2017 parce que nous n'étions pas sur les rails. Chaque fois que nous avons connu un déraillement, c'est parce que nous n'étions pas sur les rails. Chaque fois que nous avons fait une sortie de route, c'est parce que nous n'étions pas sur les rails. Car lorsque nous sommes sur les rails de ta volonté, c'est toi le conducteur, c'est toi le bâtisseur, c'est toi le bon berger, c'est toi qui marches devant nous comme un feu dévorant. Et rien ne peut nous résister, parce que rien ne peut te résister. Alors désormais, désormais, pour la suite au temps de paix, positionne-nous, dirige-nous, fais-nous nous reposer. Fais-nous cheminer, fais-nous marcher avec toi. Ah, délivre-nous de ce chemin qui semble mener à la vie et dans l'issue à la voie de la mort. Délivre-nous de ce choix qui semble mener à la joie mais dans l'issue et le choix de la confusion. Délivre-nous de ces associations qui ont l'air bien, mais dans l'issue et la confusion et l'embarras et la destruction, la mort prématurée. Père, nous te supplions. Sois le seul à nous conduire dans le bain. Sois le seul à nous guider dans le bain. Élevons la voix, demandons, réclamons la grâce de n'aimer que sa volonté. Dieu ne peut te conduire sur les rails de sa volonté que si tu veux sa volonté. Il n'impose pas son agenda. Il ne force pas son agenda. Voilà pourquoi nous prions, parce que la prière est une invitation adressée à Dieu pour qu'il accomplisse et il manifeste son agenda. Pas l'agenda de la chair en collaboration avec le diable, pas l'agenda du monde, non. Il faut lui demander, il n'impose pas son agenda. Il a des projets, mais il ne les manifeste pas nécessairement. Implorons la grâce d'aimer sa volonté. Implorons la grâce de toujours choisir sa volonté, d'accepter. Et plus que jamais en 2018, je vais devoir parler à mon âme lorsqu'elle n'a pas envie de la volonté, lorsqu'elle n'a pas envie de la justice, lorsqu'elle n'a pas envie d'obéir. Mon âme, est-ce que tu sais qu'en 2018, on va obéir, on va honorer, on va pardonner, on ne va pas garder l'offense, on va se réjouir, on va donner, on va semer, on va pardonner, on va servir. Nous marcherons en 2018, toi, mon âme. Alors tu as intérêt à aimer sa volonté pour ta vie. Sa volonté, mon âme, est ta protection. Sa volonté est ton meilleur allié. Dans sa volonté. Sa volonté ne te laissera jamais dans la confusion, dans l'embarras. Sa volonté est ce dont tu as besoin. Mon âme, ce n'est peut-être pas ce que tu désires, mais c'est ce dont tu as besoin à partir de maintenant. Dis à ton âme qu'en 2018, dès maintenant jusqu'en 2018, toute l'année, elle va aimer la volonté de Dieu. Jésus a dit, l'esprit est bien disposé, la chair est faible. L'âme est l'arbitre. L'esprit est bien disposé. La chair est faible. L'âme est l'arbitre. L'âme est la tour forte. L'âme
est le centre de commandement. L'âme est la tour de contrôle. Qui contrôle l'âme, contrôle l'homme. Nous allons parler à notre âme. Et dire, tu vas aimer la volonté de Dieu. C'est ce qu'il te faut. Ce n'est pas ton, ce n'est pas ce que tu aimes aujourd'hui, mais c'est ce que tu vas aimer. Et dis-lui pourquoi elle doit aimer. Mon âme, c'est ta protection. Ne va pas là où Dieu n'a pas dit d'aller. Laisse-le être ton conducteur. Laisse-le être ton bouclier. Laisse-le être ton guide, mon âme. Sa volonté, ce sont des projets de paix. Mon âme, sa volonté est tout ce dont tu as besoin. Dans sa volonté, il n'y a pas l'embarras. Dans sa volonté, il n'y a pas la disgrâce. Peut-être que tu crois savoir ce que tu veux, mon âme. Mais en fait, mon âme, tu n'as pas toute la partie de l'histoire. Tu n'as pas l'histoire dans sa globalité. Mon âme, tu ne connais que ce qui vient de mon enfance. Tu ne connais pas les projets qu'il a formés. Tu ne sais pas ce qu'il y a dans mon esprit. Tu ne sais pas le potentiel. Tu ne connais pas la destinée. Tu ne sais pas les chemins tracés qu'il a préparés dans lesquels je dois marcher. Mon âme, tu ne les connais pas. Voilà pourquoi en 2018, dès maintenant en 2018, on va obéir. Quand il dit vous serez saints, car je suis saint, mon âme, la nôtre, sera la sainteté. Quand il dit de marcher dans la vérité, mon âme, la nôtre, sera la vérité. Élève la voix, murmure à ton âme. Parle à ton âme, fais comme tu veux. Mais dis ce qui va se passer. Parle à ton âme. La norme en 2018 ne sera plus la tristesse, ça ne sera plus l'abattement, le découragement, la perte de contrôle, l'intempérance, c'est-à-dire on ne se contrôle pas, on se laisse abuser, on se laisse contrôler, c'est fini ça. Mon âme ne se contrôle plus, on ne se laisse plus contrôler par un démon. On ne se laisse plus contrôler par un démon, c'est terminé. Ça c'était hier, le passé, c'est terminé. C'est sa volonté que tu vas aimer. C'est sa volonté que j'aime. C'est sa volonté que tu vas aimer. C'est sa volonté dont tu as besoin. Parle-lui, parle-lui, parle-lui. Ça ne sera pas une année de lamentation. Ça ne sera pas une année de plainte. Ça ne sera pas une année de « Oh, pauvre de moi, pitié de moi. Oh, ma vie est fichue. Ma vie est un naufrage. » Non, ça ne sera plus cette année. Ça, c'était les années précédentes. 2018 sera « Oh, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. » Et mon âme le reconnaît bien. Hein, mon âme, tu reconnais que je suis une créature si merveilleuse. Parle à ton âme. Waouh. Parle à cette âme. Tu dis aujourd'hui, tu dis bye bye aux émotions du passé. Tu lui dis qu'elles ne reviendront plus jamais en 2018. Les démons qui se cachaient derrière ne reviendront plus jamais. Bye bye l'orgueil. Bye bye l'offense. Bye bye l'amertume. Bye bye la jalousie. Bye bye la colère. Bye bye l'aigreur. Bye bye la frustration. Bye bye. Je ne construis pas mon futur avec des aigreurs. C'est fini.
Tu aimes le fruit de l'esprit. Tu aimes la maîtrise de soi. Tu es contrôlé par le Saint-Esprit. Plus de perte de contrôle. Plus de non, il y a une force qui est trop forte. Non, mon âme, c'était un mensonge. Tu n'étais pas trop faible. Et tu as compris que devant un homme armé, tu sais te contrôler. Donc tu n'es pas trop faible. C'est fini ces mensonges. C'est fini. Aucune autre émotion en dehors des émotions de Christ ne te contrôlera cette année qui vient à partir de maintenant jusqu'à toute l'année au nom de Jésus. Aucune autre émotion ne te submergera en dehors de l'amour de Christ déversé par le Saint-Esprit. Aucune émotion de mélancolie, de tristesse, d'abattement, de désespoir ne va plus jamais te submerger au nom de Jésus-Christ. Aucun esprit de peur, plus aucun esprit de peur ne va t'envelopper au point de t'asphyxier, plus jamais au nom de Jésus-Christ. Dis au revoir à l'esprit de peur, dis au revoir à l'esprit de doute. Aucun esprit d'incrédulité ne va plus jamais t'envahir au point de te faire perdre la foi. Dis au revoir à l'esprit d'incrédulité. Tu dis bye bye, c'est terminé. Tu dégages. C'est sur le rail de sa volonté qu'on va marcher. On va marcher à partir de maintenant. Les erreurs d'avant, on ne les commettra pas. Tu sais pourquoi? Parce que nous avons imploré la grâce de marcher sur les rails de sa volonté. Nous avons imploré la grâce d'être conduit sur les rails de sa volonté. Et c'est une prière qu'il a agréée. Voilà pourquoi, lorsqu'une voix voudra essayer de te séduire en te poussant à sortir des rails de sa volonté, sa main puissante va te fortifier et te ramener sur les rails. Tu ne chancelleras pas, tu ne tomberas pas, nous ne tomberons pas, nous ne serons pas ébranlés, nous ne serons pas ébranlés au nom de Jésus. La prière d'aujourd'hui, c'est du stock que tu es en train de constituer, c'est du stock que tu es en train de constituer, ce sont des réserves que tu es en train de constituer, des réserves de grâce, des réserves de compassion, des réserves de miséricorde, des réserves d'endurance, des réserves de persévérance, tu es en train de constituer des stocks. Chalaré la Maroso. Ne te quittera pas, la bonté ne te quittera pas, la douceur ne te quittera pas, la puissance ne te quittera pas, la autorité ne te quittera pas, la force ne te quittera pas. Oh, oh, oh. Chalé, calama, maïe.
Des stops de force, des stops de vigueur, des stops de vitalité, des stops de parole, des stops de prophétie, des stops d'assurance, des stops de grâce. Tu es en train d'emmagasiner à l'intérieur, tu es en train de te bouder à l'intérieur. En fait, c'est ce qu'on a fait pendant ces 21 jours. Aujourd'hui, c'est le couronnement du stockage. Tu es en train de te gonfler à bloc. C'est ce qu'il est en train de me dire. Tu t'es gonflé à bloc. Voilà pourquoi en sortant d'ici, tu ne sortiras pas comme tu t'es rentré. Tu étais rentré gringalé, tu sortiras costaud. Tu étais rentré chétif, tu sortiras malabar. Tu t'es rentré fin, tu sortiras inébranlable. Parce qu'un stock a été constitué. Un homme a été bâti à l'intérieur. Une âme a été restaurée, réparée. Une destinée a été recontrôlée. Une main invisible s'est repositionnée. Sur la trajectoire de ta vie. J'ai mis dans les rebours.
C'est comme si le Saint-Esprit est en train d'arroser. Non, ne coupe pas. Il est en train d'arroser. Reste dans cette atmosphère. Il est en train d'arroser. Arrose-nous, arrose-nous,
Des grâces nouvelles qu'ils n'avaient pas. D'autres, c'est simplement une paix sans précédent. D'autres, c'est une quiétude. D'autres, c'est une audace. Et c'est en train de te prendre, c'est en train de descendre. D'autres vont sentir comme un feu. D'autres vont sentir une main en feu. D'autres vont sentir des yeux spirituels qui s'ouvrent. Des grâces, des dons spirituels qui sont déversés. La rose, il est en train d'arroser. C'est une pluie qui est en train de descendre. Et la pluie dans la Bible, c'est le symbole de la bénédiction. Il est en train de répandre des bénédictions sur son peuple. Il est en train de déverser des différentes grâces et des différents niveaux d'équipement au nom de Jésus. D'autres personnes, ça sera le baptême du Saint-Esprit. Tu dois rester concentré, connecté. Arrose, arrose. La pluie, c'était le symbole de la récompense, le symbole de la bénédiction, le symbole de l'abondance, le symbole de ce que ce n'est plus limité. Lorsque la pluie vient, ce n'est pas une goutte, c'est une multitude qui est en train d'arroser, qui est en train d'arroser, qui est en train d'arroser, qui est en train d'arroser. Arrose, arrose, déverse tes grâces. Distribue-les selon ta volonté. Distribue les dons spirituels selon ta volonté. Arrose, arrose. Arrose, arrose. Ça y est, la maman, la marosa. Arrose, arrose. Faible voix, arrose, 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 arrose. Déverse tes grâces, déverse tes bontés, déverse tes compassions. Déverse tes fleuves d'eau vive. Déverse ton amour. Déverse ta puissance. Déverse tes grâces. Déverse la foi. Déverse l'audace. Déverse l'humilité. Déverse la pluie. La pluie, c'est le symbole de ce qui ne peut pas être compté. C'est le symbole de ce qui ne peut pas être mesuré. C'est le symbole de ce qui ne peut pas être recueilli. Tu ne peux pas recueillir la pluie dans un gobelet. Tu ne peux pas recueillir la pluie dans un seau. Tu ne peux pas recueillir la pluie dans un conteneur. Tu ne peux pas. Je vois une pluie abondante être arrosée. 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 Arrose. 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 Yala mama lele mama la sele sele kala lele maros faible voix, oh faible voix, ne t'arrête pas,
Kalarama, continue d'arroser. Salé Kalamabaya, ce que les babés de l'émos. Ce qui est en train de venir sur les uns n'est pas la même chose que ce qui vient sur les autres. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un arrosage en cours. Il y a un arrosage dans la place. Il y a un arrosage à travers l'Internet. Arrose, arrose. Arrose, arrose. Arrose, arrose. Arrose, arrose. Arrose, arrose. Chale que les babas, les cabros, que t'es les milanas de bros. Arrose, arrose, arrose. Strip. Maria de
Fais pleuvoir, Saint-Esprit. Laisse tomber ta pluie, déverse ta pluie. Ne sois pas distrait, il y a une pluie.
Il y a un déversement qui est en train de se produire. Il exige une position de réception. Il exige une réceptivité. Il ne faut pas rater. Il exige une focalisation et pas une distraction. Parle en esprit, saturant l'atmosphère de la prière en esprit, de la prière en esprit, de la prière en esprit, des grâces et des dons, d'un déversement divin. Effusion. Sature de la prière en esprit. Sature. Sature de la prière en esprit. Le corps ne peut pas suivre. L'âme ne peut pas suivre. C'est l'esprit qui doit prendre le relais. Les sens ne peuvent pas suivre. Les sens, laissez-les de côté, laissez-moi le sentir. Les sens ne peuvent pas rentrer dans cette dimension. Sakala rebe parle rebe mama. Sakala rebe. Shere kareya rebe rebe borosa. Shere kala rebe babaya. Des personnes qui n'ont pas reçu le baptême du Saint-Esprit. Devant la bouche et commence à parler en langue. Il y a une effusion. Il y a une saturation de l'atmosphère. Il y a une saturation de l'atmosphère. Il y a une charge dans l'atmosphère. Ta langue est en train d'être saisie. Des dons sont en train d'être déversés. Des grâces sont en train d'être répandues. Un feu est en train d'être répandu. Un revêtement. Un habit spirituel, un revêtement. Des nouveaux dons sont en train d'être déversés. Des dons d'inspiration, des dons de révélation, des dons de puissance, des dons de discernement des esprits, des dons d'opérer des miracles, des dons de foi, des dons d'opérer les guérisons, des dons de vision, des dons de révélation. Le don des langues,
le don de l'interprétation des langues, le don de voir les choses cachées. Les dons enfouis sont ranimés. Les dons enfouis sont ranimés. Les dons enfouis sont ranimés. Laissez pas de sentir. Si tu entends au-devant de toi un son de langue, tu entends des langues monter en toi, laisse sortir les langues, laisse sortir. Le Seigneur Jésus te baptise l'Esprit Saint, il te baptise l'Esprit Saint, il te baptise l'Esprit Saint, il te baptise de feu, il te baptise de feu, il baptise de feu. Laisse sortir la langue. Laisse sortir un son. Laisse sortir les sons mystérieux. Fais pleuvoir. Ne m'évite pas. Ne me contourne pas. Fais pleuvoir. Le Saint-Esprit distribue selon sa volonté ce qui est enfoui et ranimé. Fais pleuvoir. Équipe l'église. Équipe ton peuple. Fais pleuvoir.
En Israël, aux temps anciens, la pluie n'était pas accueillie comme elle est accueillie aujourd'hui. Va dans les endroits désertiques. Ils savent ce qu'est la pluie. Ils connaissent la valeur de la pluie. Ils connaissent l'importance de la pluie. Ils connaissent la nécessité de la pluie. Ils connaissent le côté indispensable de la pluie. Au temps biblique, la pluie ne suscitait pas l'accassement. La pluie suscitait la reconnaissance, la gratitude. Parce que la pluie signifiait que le ciel n'était plus fermé. La pluie signifiait que le ciel était désormais ouvert, que les écluses des cieux étaient désormais ouvertes. La pluie signifiait qu'il n'y avait plus de blocage et que les colis étaient en train d'être déversés. La pluie était une bonne nouvelle. La pluie n'était pas une mauvaise nouvelle. La pluie signifiait que Dieu avait ouvert le ciel. La pluie signifiait que la période de sécheresse était terminée. La pluie était un message. Lorsque la pluie venait, ça veut dire au revoir la sécheresse de ma vie. La sécheresse de ma santé, la sécheresse de mon foyer, la sécheresse de mes émotions, la sécheresse de ma destinée, la sécheresse de mon travail. Au revoir la sécheresse, je reçois la pluie, je vois la pluie, la pluie, la pluie. La pluie était une bonne nouvelle, la pluie était accueillie avec excitation. Ne t'arrête pas, ne te laisse pas distraire. Célèbre la pluie, célèbre la pluie. Célébrons la pluie, célébrons la pluie. Célébrons la pluie. Cheyamama, yelelelele, amoroso, yelele. Cheyelelelelele, bro. Sayarama, yelelelele, amoroso. Que les nuages, la pluie signifiait que
quand le ciel n'a pas pu empêcher le déversement. La pluie signifiait que Dieu a exaucé. La pluie signifiait fini la sécheresse. Au revoir la sécheresse. La pluie signifiait Dieu a entendu et qu'il arrose le pays et qu'il arrose la famille et qu'il arrose le foyer et qu'il arrose la santé, qu'il arrose la destinée. La pluie signifiait Dieu a eu compassion. La pluie signifiait Dieu a entendu les cris. Shalakaya la lema, sheleka baba ya lelemos, shaleka baba lo sokaya. La pluie signifiait que les gouttes vont tomber sur moi. La pluie signifiait il n'y aura pas une seule goutte. Il n'aura pas un seul toucher. Lorsqu'il n'y avait pas la pluie, on comptait les gouttes. Mais la pluie signifiait, il n'aura pas un seul toucher. Il y aura plusieurs touchés. Il y aura plusieurs passages. Il y aura plusieurs gouttes. Chaque goutte est un passage de l'eau de vie, est un passage de la vie. Chaque goutte. La pluie signifiait, il n'y aura pas un témoignage, il y aura plusieurs témoignages. La pluie signifiait que Dieu a répondu par l'abondance. La pluie signifiait l'abondance. La pluie signifiait l'abondance. Lorsqu'on allait au puits, ce n'était pas l'abondance. Parce que l'eau était limitée. L'eau était limitée. Lorsqu'on l'a puisée au puits. Mais lorsqu'elle tombait du ciel, c'était le signe de l'abondance. La pluie signifiait. Chalere nanalare veros. Chabalekaya. La pluie signifie que tu ne pourras pas compter les bienfaits et les bénédictions du Seigneur. Tu ne pourras pas les compter. Tu ne pourras pas les compter. Tu ne pourras pas les compter. La pluie signifie que tous les domaines, toutes les régions de ton corps, toutes les régions de ta vie seront touchées. La pluie ne touche pas de la tête. La pluie touche tout le corps. Tu ne seras pas touché seulement à un endroit. Tu seras touché de tous côtés. Sataya de l'Eremos. Ayama de l'Eremos. L'Esprit me dit, la pluie signifie que la terre ne connaîtra plus la sécheresse. L'attitude du peuple lorsqu'il pleuvait, c'était de sortir à l'extérieur, de commencer à se laisser toucher, arroser, et de juste demander qu'elle ne s'arrête pas. Après des années de sécheresse, l'attitude du peuple, c'était de demander
continue, continue, arrose de tous côtés. Parce que ce sont des années. Une pluie qui dure 10 minutes ne peut pas arroser une terre qui a connu des années de sécheresse. Une pluie de 10 minutes ne peut pas suffire pour une âme, pour un cœur, pour un corps qui a connu la sécheresse pendant si longtemps. Il ne faut pas qu'elle s'arrête. Il faut qu'elle continue. Il faut qu'elle continue. Il ne faut pas qu'elle s'arrête. Il faut qu'elle continue. Et une des manières qu'ils avaient pour supplier la pluie de ne pas s'arrêter, c'était de lever les mains et de bien s'assurer qu'elle continue de couler. C'était de lever les mains. En levant les mains, c'était une manière de tâter. Est-ce qu'elle tombe encore? C'était une manière de dire ne t'arrête surtout pas. Une manière de dire ne t'arrête surtout pas. Il y a des années de sécheresse à compenser. Ne t'arrête pas. Elle peut tomber sur une personne et ne pas tomber sur toi. C'est l'attitude et c'est la soif de la voix continuer qui fait la différence. Ne te laisse pas distraire, élève la voix, juste en esprit. Élève la voix et supplie. Ne t'arrête pas. Shababaya. Shakabiririrabu. Je veux la pluie, 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 je veux, je veux, je veux, je veux. Je veux, je veux, je veux, je veux, je veux, je veux, je veux. Ne t'arrête pas, ne t'arrête pas. Père, je veux, il ne s'arrête pas, il ne s'arrête pas. Je veux la pluie. Thank you.
Pouvons-nous lever la main? Pouvons-nous lever les mains? J'étais en train de demander. Wow. J'étais en train de demander au Saint-Esprit qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe ici exactement? Qu'est-ce que je dois dire? Qu'est-ce qui est en train de se produire? Il m'a dit c'est la pluie, ça c'est un. Ensuite, il m'a dit ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille, attends, que l'oreille n'a pas entendu, qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Et j'ai juste reçu la conviction que même moi, je ne sais pas ce qu'il vient de faire. Et qui ne me révélera pas ce qui vient de se passer. Je sais juste que c'est la pluie et que la pluie signifie la fin de la sécheresse. Attends. Je sais juste que la pluie signifie que la terre, le champ, le sol est visité. La pluie signifie qu'on n'en est plus au stade de ça quitte là-haut. La pluie signifie que le champ, la vie, la terre est imprégnée de l'eau, l'eau vive. Et cette eau contient la vie. Alors, je ne sais pas ce qui va se passer dans les prochains jours, ni demain, ni après. Mais je sais seulement que lorsque la pluie vient, on n'en est plus au stade de l'espérance. Parce que lorsque ça touchait le sol, ça veut dire que maintenant ça touchait, c'est plus concret. Je ne sais pas ce qui sera manifesté demain. Je ne sais pas ce qui sera manifesté les prochains jours. Mais je sais que là, ce n'est plus l'espérance. Là, ce n'est plus la promesse. Là, c'est maintenant, c'est là, c'est visible. C'est déjà là, ça a déjà touché. Ça a déjà commencé à irriguer. Ça a déjà commencé à arroser. Ça a déjà commencé à pénétrer le sol. Ça a déjà commencé à se déployer dans les racines. Ça a commencé à rentrer dans les profondeurs. Ce n'est qu'une question de temps maintenant. L'eau est en train de circuler. L'eau de vie, les fleuves de vie sont en train de se répandre dans les vies. Dans les ossements des chassés, l'eau est en train de rentrer. L'eau contient la vie. La preuve de la vie, c'est l'eau. Là où on trouve l'eau, on a trouvé la vie. Lorsqu'il y a l'eau, c'est qu'il y a la vie qui est en train d'arroser. Ce n'est qu'une question de temps. Avant que quelque chose qui était mort, sec, inerte, sans vie, soudainement manifeste la vie. Je ne peux pas te dire quand ni comment, mais je sais que la pluie signifie que le sol est imprégné. Le champ est en train d'être impacté.
Ce n'est pas une question de sens, c'est une question de foi. Parce que les hommes qui ont la pluie descend ne voient pas avec les yeux physiques. Ils voient que ça touche. Ils ne savent pas ce qui se passe dans les racines, dans les profondeurs. Mais ce n'est qu'une question de temps avant que des plantes ne commencent à sortir. Ce n'est qu'une question de temps avant que des choses, des fruits ne commencent à sortir. Des fruits cachés ne commencent. Des destinées cachées, des vies cachées, des héritages cachés ne commencent à germer. Tout le reste n'est qu'une question de manifestation. La pluie signifie que Dieu a répondu avec abondance. Ce n'est plus quelques gouttes, c'est abondance. Je ne peux pas te dire dans quoi, mais je te dis, attends-toi. Attends-toi. Avec confiance et paix. Avec joie et enthousiasme. Attends-toi. Attendons-nous. Que ta pluie a touché le champ de nos vies, de nos cœurs, de nos destinées, de nos santé, de notre héritage, foyer, travail, de l'église. Père, nous te prions qu'elle ne s'arrête pas. Et nous te remercions parce qu'elle ne s'arrêtera pas. Merci. La pluie signifie qu'on n'en est plus au stade d'attente. La pluie signifie que le champ a déjà commencé à être arrosé, irrigué. Merci pour les âmes irriguées totalement. Merci pour les corps irrigués par la vie éternelle. Merci pour les esprits irrigués, les destinées irriguées, les foyers irrigués, l'église irriguée, les vies professionnelles irriguées, les mariages irrigués, le travail irrigué, la santé irriguée. Tu as dit dans ta parole, mon juste vivra par la foi. Nous ne vivons pas par les sens. Les sens sont dépassés par les réalités spirituelles. Les sens ne saisissent pas. Nous sommes confiants. Nous sommes reconnaissants. Et nous nous attendons à toi. Merci. Parce que la pluie signifie que la sécheresse est finie. Plus de sécheresse. Merci pour la fécondité. Merci pour la productivité. Merci pour la santé. Merci, Père. Merci. La pluie couronne ces 21 jours. La pluie signifie que tu as répondu. Faiblement, mais puissamment. Alors nous t'en rendons gloire. Demain, Père, manifeste-toi. Saint-Esprit, glorifie Jésus. Conduis comme tu veux.
mais que le fruit de l'irrigation commence à être manifesté dès demain. Ça continuera, mais dès demain, des témoignages. La sécheresse complètement détruite. Des vies totalement irriguées. Père, nous prions pour l'amour de Dieu notre Père, la grâce de notre Seigneur Jésus, de la communion du Saint-Esprit demeure notre partage. Et maintenant, et à jamais, dans le nom de Jésus. Demain, nous viendrons avec une offrande d'action de grâce. Et dans toutes les familles connectées, vous allez apporter une offrande d'action de grâce. Et cette offrande, ça sera une offrande pour dire, Seigneur, de toutes les paroles qui ont été libérées pendant ces 21 jours sur ma vie, aucune ne restera sans effet. Nous allons dire au Père, mon offrande d'action de grâce est une manière de dire merci pour ce que tu as fait et pour la manifestation de toutes les paroles que tu as envoyées. Je les scelle, Père. Je te remercie. Emmène une offrande conséquente d'action de grâce pour sceller la qualité de la parole que tu as entendue et reçue, la qualité de sa présence au milieu de nous. Accompagne-nous, Père, dans nos demeures respectives. Merci de nous environner de ta grâce comme ton bouclier. Demain matin, de 5h à 6h du matin, arrange-toi si tu ne le fais pas pour être en réseau de prière avec d'autres frères et sœurs pour ceux qui ne le font pas. Arrange-toi de 5h à 6h pour prier avec d'autres si tu n'as vraiment pas besoin. Mais ne reste pas seul. Prie avec d'autres personnes. Demain matin et demain toute la journée, en l'occurrence entre midi et 14h, prends au moins une heure de prière, même en esprit, même en travaillant. Le soir, nous retrouvons ici. Merci pour demain, pour aujourd'hui, pour demain. Merci encore au nom de Jésus. Accompagner les frères, nos frères et nos sœurs.